vers la fin de la guerre, refusant de mourir pour l'honneur dans un ultime combat, les marins allemands en poste à Kiel se mutinent. Parmi eux, de nombreux Alsaciens, animés par cet esprit révolutionnaire, reviennent au pays, où ils forment des conseils de soldats et d'ouvriers sur le modèle soviétique russe. À Strasbourg, les troupes françaises libératrices tardent à arriver. Les soviets strasbourgeois proclament la République d'Alsace-Lorraine en face de l'Aubette et hissent un drapeau rouge sur la flèche de la cathédrale. C'était le 10 novembre 1918, place Kléber à Strasbourg.